Alors aujourd'hui, on a réalisé une visite pour les élèves, surtout pour les lycéens et pour les collèges. Alors là, l'objectif principal de cette visite, c'est de mettre en contact direct des élèves en relation avec le domaine de la recherche. Pour eux, c'est un monde qui est virtuel, on part seulement tout ce qui est théorique. Donc on a essayé de faire un contact, d'entrer ces élèves au niveau de nos laboratoires. On a essayé de faire un contact direct des élèves avec tout ce qui est équipement, tout ce qui est échantillon. On a essayé de mettre en place tout ce qui est problématique. On a proposé la problématique, tout ce qui est traitement des eaux usées ainsi que traitement des sols contaminés. Je m'appelle Wijdan Tuma, je suis venue du groupe Excel Manal Talib 1. On est participé à la semaine africaine de sciences. On a vu tous les exposés donnés par des étudiants et des docteurs. J'ai aimé la partie des énergies renouvelables parce qu'on a appris beaucoup de choses pour protéger notre environnement. Pour mon atelier, c'était les énergies renouvelables. Donc ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'était de donner une idée, une nouvelle idée sur la science, d'aider les étudiants à aimer ce domaine parce que pour eux, c'est un domaine qui est compliqué. Mais pour nous, on essaie de le simplifier pour qu'ils puissent s'adapter, comprendre la science, voir que ce n'est pas quelque chose de difficile. La visite était très intéressante et les enfants ont donné des questions dont je ne m'attendais pas. Ils savaient déjà qu'il y avait une problématique en ce qui concerne le changement climatique. Ils avaient déjà une idée sur les énergies renouvelables, donc ils faisaient déjà leurs recherches et ce qui nous a aidé à discuter avec eux plus simplement.